École, collège et lycée, bien sûr. De la petite section de maternelle au secondaire, les établissements scolaires monégasques vont proposer plusieurs nouveautés aux plus de 4500 élèves pour l'année 2014-2015. Mais avant de les évoquer, retour tout d'abord sur l'année précédente et les très bons résultats au brevet et au bac. Si l'on additionne tous les taux de réussite des filières, le total avoisine les 100%. Nouveauté à présent pour cette rentrée avec un enjeu majeur pour la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le plan de développement du numérique dans les établissements. Le gouvernement princier va mettre à disposition de la DENGS plus de 2 200 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire soit 440 000 euros par an. Et donc, bien sûr, nous avons déjà intégré le numérique dans nos écoles, mais là, nous allons vraiment faire en sorte que nos pédagogies soient adaptées avec le numérique, ou plutôt le numérique adapté aux pédagogies. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'enseigner comme on enseignait, voire il y a 10 ans. Donc, il faut aujourd'hui que les enfants maîtrisent parfaitement les nouveaux outils informatiques, parce que même s'ils ne font pas de grandes études, dans le milieu professionnel aujourd'hui, on ne peut pas faire fi du numérique. Donc, on a pu aussi constater, par exemple, on a commencé grâce au soutien généreux de donateurs privés qui nous ont dotés, par exemple, à l'école Saint-Charles, de tablettes tactiles, de tableaux interactifs. Nous avons pu faire une petite expérimentation avec les enfants souffrant d'un trouble 10 ou ayant un léger handicap. Et donc, ces enfants ont pu faire d'énormes progrès en utilisant, par exemple, des tablettes tactiles ou en travaillant avec le professeur sur le tableau interactif. Nouveauté toujours, tout au long de l'année, plusieurs rendez-vous ponctuent l'emploi du temps des scolaires. Parmi eux, la Journée internationale des droits de l'enfant qui cette année sera célébrée sous un autre format que les années précédentes, avec la participation notamment à une marche. Autre thème abordé, celui de l'international. Dès les plus jeunes classes, les élèves sont sensibilisés à la langue de Shakespeare, avec par la suite la possibilité d'intégrer des classes de section européenne et internationale. Différentes langues étrangères sont proposées. Et bien cette année encore, cette ouverture s'intensifie. Il y a de plus en plus d'enfants maintenant qui poursuivent leurs études, bien sûr, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, pour venir en aide à tous ces enfants qui veulent intégrer des universités anglophones, notamment en Angleterre, aux États-Unis, donc il y aura une personne qui sera chargée de les aider à préparer leur dossier, parce que c'est vraiment un réel parcours du combattant. Donc, je pense que ça sera un plus pour nos élèves et qu'ils vont l'apprécier à sa juste valeur. Vous parliez de la section européenne en langue anglaise. Je crois que la nouveauté aussi, c'est de proposer une section européenne en langue italienne. Absolument. Et ça sera une spécificité de François d'Assise-Nicolas Barré. En effet, François d'Assise-Nicolas Barré accueille de nombreux résidents italiens. Et à la demande de l'ambassadeur d'Italie, à la demande aussi des deux chefs d'établissement, qui sont Madame Lanzerini pour le collège et Madame Laure Médecin pour le lycée, elles ont tenu absolument à ouvrir une section européenne italien, ce qui permettra aux Italiens qui obtiendront ce baccalauréat de poursuivre leurs études en Italie. Je me suis dit que c'était une bonne chose de proposer la langue russe en classe déjà dans un premier temps de 6e, 4e et 2e. Bien sûr, au fil des années, nous allons pouvoir assurer la langue russe, enseigner la langue russe dans tous les niveaux. Cette année, donc, je suis très heureuse d'avoir engagé non seulement une dame russe de langue maternelle, mais qui est aussi agrégée, qui va donc ouvrir cette section dans les meilleures conditions. Au menu également de ces nouveautés, la cuisine centrale qui permettra d'élaborer des plats sur place en principauté, acheminés ensuite vers les cantines. En sport, vous le savez, les élèves porteront désormais une tenue unique aux couleurs de la principauté. Sport toujours, pour terminer, des horaires seront aménagés pour les élèves sportifs de haut niveau. Bonne rentrée aux 5870 élèves, aux 474 enseignants et à la vingtaine de personnes qui composent la DENGS.